Aujourd'hui, la meilleure passe est celle du sud, entre le banc d'Arguin et la dune du Pila. Mais auparavant, c'était la passe nord, le long du cap Ferret, qui était la plus sûre. La carte marine d'Arcachon varie sans cesse. La passe nord est en train de se recreuser. Ce sont des passes toujours délicates à franchir pour les pêcheurs et les plaisanciers. Leur faible profondeur ne permet pas aux très gros bateaux d'accéder au bassin sans risque. Et c'est sans doute grâce à elle, finalement, que le bassin a pu rester ce qu'il est, qu'il n'est pas devenu un port industriel et que sa nature a été protégée. Le banc d'Arguin abrite une réserve naturelle d'oiseaux de mer, dont la plus importante colonie européenne de sternes, dit Kojek. C'est aussi un lieu de farniente pour les plaisanciers qui s'y retrouvent pour la baignade et le pique-nique. Plaisir qu'ils doivent partager toutefois depuis quelques années avec les ostréiculteurs qui ont installé là des parcs à huîtres.